Pourquoi me condamner? Pourquoi me condamner? Si moi je crois ce que le prophète a dit. Oh, pourquoi me condamner? Que le prophète a dit, pourquoi nous condamner? Oh, pourquoi nous condamner? Et si nous croyons ce que le prophète a dit, pourquoi les condamner? Les dipolos, pourquoi les condamner? Et même s'il prêche ce que le prophète a dit. Maintenant si tu peux répéter ce que Branham a dit. Oh, pourquoi les condamner? Oh, pourquoi les condamner? Alléluia. S'il prêche ce que le prophète a dit, laissez tourner. Pourquoi les condamner? Pourquoi les condamner? Si les prêches, c'est que le prophète a dit. Si mon prophète a prêché la seconde venue, mais vous pouvez croire. Mais pourquoi pas mon pasteur? Même si l'enlèvement est une révélation, mon pasteur le prêche mes frères, je le crois, je dis amen. Oh pourquoi, mais pourquoi le condamner? Oh pourquoi le condamner? Si moi je crois ce que le prophète a dit, Pourquoi les condamner? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs condamnent les autres parce qu'ils répètent Branham. On se pose des questions. Ils sont devenus des cahiers modernes. Parce que Frère Branham dit que les esprits ne meurent pas. Amen. Gloire à Dieu. Un homme qui reçoit le Saint-Esprit dans son cœur, c'est un être double. L'air pour mourir, l'autre pour être enlevé. C'est ça la révélation.
appelé Rouge-Gorge. Ces jours-là, quand le sauveur mourut à la croix, il était le seul témoin qui pouvait dire que Jésus est mort. Aujourd'hui, nous avons vu le même petit oiseau se répéter. Il était le seul témoin à voir Jésus dans William Branham. Si tu prologues, crois la même chose. Mais pourquoi vraiment le condamner? Oh, nous disons, pourquoi le condamner? Pourquoi le condamner? Lui, il prêche ce que le peuple. Oh, pourquoi le condamner? Pourquoi le condamner? Pourquoi le condamner? Oh, celui qui prêche ce que le peuple. Que Dieu vous bénisse. Ah, ma petite Zamba Pambola Bino.